Salut à tous les amis, c'est Dr Play, on se retrouve pour une nouvelle saison de The TARDIS Adventure, la saison 1. Alors oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de survie sur le TARDIS mode, mais le problème, pas de survie intéressant. La 1.14 était plutôt bien, mais pas ouf non plus. Là, on va dire qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et vous allez voir que au cours de l'aventure, on va souffrir. Parce qu'il n'y a pas forcément que le TARDIS mode d'ajouter, il y a aussi d'autres modes. De dimension, de structure aussi, comme vous pouvez voir derrière moi, et plein d'autres choses. Je vous en dis pas plus, des mobs aussi, bien entendu. Bon, survie, bien entendu, tout seul. Alors, je sais pas pourquoi je lag là-bas. Pourtant, c'est une forêt seulement basique, mais regardez, en chute FPS, je chute un petit peu parce que j'ai baissé le niveau de chunk, mais c'est quand même assez chiant. Voilà. Et encore, vous avez de la chance parce que j'aurais pu mettre des datapacks pour que ce soit ultra cheaté, sauf que je veux pas le faire, parce que sinon c'est plus une survie. Voilà. Alors, juste avant ça, je vais m'autoriser deux trucs. Déjà, le Keep Inventory, parce que c'est un truc assez casse-couille, et puis j'ai pas mis de mode pour récupérer une tombe ou quoi que ce soit. Je l'ai là-bas, je sais pas. Et deuxièmement, je nous autoriserai de temps en temps. Alors, le Wither, enfin la météo, ça sera obligatoire. Mais je m'autoriserai de temps en temps, pas sûr, mais s'il y en a vraiment besoin, de remettre le jour. Voilà. Mais pas le droit de me mettre en game mode, pas le droit de quoi que ce soit. Normalement, si j'appuie sur, maintenant on a les crafts. Hein, donc vous verrez qu'il y a énormément de choses. On n'a pas énormément de mods, mais vous allez voir que même comme ça, on va galérer quand même. Voilà. Donc, sachant que c'est le TARDIS mode en 1.16.2, c'est la version 1.5.2, puisqu'elle a été mise à jour entre-temps. Et puis voilà. Mis à part ça, entre-temps, la saison 13 a débuté. Nous avons déjà pu regarder le premier épisode qui était assez épique. Et je ne spoilerai pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas encore regardé l'épisode. Mais je ne spoilerai pas. Et bien sûr, dans les commentaires, il ne faudra pas spoil non plus, parce que sinon, je risque de les supprimer, voire même des bans. Donc ce serait quand même bête d'en arriver à là. Voilà. Donc, bien sûr, cette saison, ce premier épisode est assez épique. Je vous conseille d'aller regarder cet épisode. Il est en VOSTFR. Vous pouvez facilement le trouver, alors, soit sur le site, soit vous pouvez aller sur la version VO, donc la BBC One, grâce à un VPN. Je vous conseille NordVPN parce que voilà, mais je ne suis pas affilié à eux, hein, bien entendu. Mais voilà, je vous conseille NordVPN ou d'autres, hein, bien sûr, mais NordVPN reste quand même un bon truc pour regarder la VO sur BBC One. Sauf si vous avez BBC One, basique, normal. Hein, voilà. Et sinon, à part ça, bah, vous pouvez regarder VOSTFR ou autre sur les services de streaming. Voilà. Hop, donne-moi ta bouffe. Voilà. J'avais besoin de bouffe. Hop. Bon, le mieux ce serait de commencer à se stuffer déjà jusqu'au diamant. Enfin, en fer et au diamant. Je pense pour commencer. Alors, attendez. Hop. On va faire un four. Déjà. Qui servira à faire ça et ça. Voilà, ça j'en ai encore besoin. Normalement, ouais, j'aurai assez, donc je pourrais utiliser ça. Hop. Voilà. Et voilà. On a fait quelques upgrades, forcément. Alors attendez, hop, on va se redonner ça. Voilà. Alors, bon, il nous faut du charbon. Est-ce qu'on va en trouver? Ah oui. Ah, bah, hey. On trouve tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, comme la mise à jour de la 1.16 est plutôt assez update, on va dire que comparé à la 1.14 où ils avaient fait des choses, mais ils n'ont pas fait énormément de choses puisqu'ils ont même arrêté le développement de la 1.14 pour vous dire. Enfin, je sais pas s'ils ont arrêté, je sais qu'il y a eu encore eu des mises à jour, mais c'est pas ouf ouf comparé à celles qu'ils ont sorties en 1.7.5. Il y a beaucoup plus d'updates en 1.7.5 et beaucoup plus de choses à faire. Donc les updates, voilà.
Hop, merci. Ah bah c'est nickel. Alors désolé si vous entendez les travaux à l'arrière, ça m'étonnerait que vous les entendiez, mais si jamais vous les entendez, ne vous étonnez pas. C'est normal. Je crois que j'entends des squelettes, mais je pense que c'est plus bas. Ah, attendez. Non, je pensais que ça venait de moi, c'est pour ça. Hop. Bon. Je pense qu'on va partir en aventure après. Donc ça, c'est... Oui, ça, c'est les... Ok. Pour le TARDIS. Je trouve... Là, ils sont à partir de là. Il faut bien sûr qu'on trouve un TARDIS broken aussi. Pour ça, on va s'amuser parce que ça va être... Sachant que les extérieurs ont beaucoup changé aussi. Bon, vous savez quoi? Mieux c'est de partir en aventure et de s'éloigner de cette forêt qui me fait lag. Aussi parce que je suis assez étonné quand même. Hein. Avec un putain de bon PC, j'arrive quand même à lag. On va se... On va aller là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir. En plus, c'est vers la direction de la forêt qui me fait l'ail. Alors, qu'est-ce que nous allons y trouver? Grand-chose. Ah, si, un coffre. Sais pas si on peut le récupérer. Oh, si, on peut faire ça. C'est quand on va les récupérer, ces coffres-là? Elles sont pratiques pour plus tard. Oula, désolé, un peu enrhumé, ça peut arriver. Bon, on va manger un peu de bouffe, voilà. On va s'éloigner de la forêt. Comme vous pouvez voir, il y a plein de nouvelles plantes et tout ça. Comme ces plantes-là, les plantes bleues là. Ces plantes bleues, je sais pas. Oh. Elle sert pour charger de l'énergie ou du fuel. D'accord. Alors, hop, on va s'en éloigner un petit peu. Des abeilles, on voit pas. Vous savez quoi, je vais m'autoriser pour là maintenant, alors qu'on est un peu trop. Ouais, je vais m'autoriser là maintenant. On va se faire une petite tâche. Time set day. Voilà. Ouch. Hop là. On va pas tout récupérer en charbon parce qu'on n'a pas besoin d'énormes. Par contre, on a besoin de fer. Ça, c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est chiant d'être enlevé. Il y a encore du fer là. Et encore du fer là. Comme ça, on va pouvoir commencer à se faire un petit stuff en fer aussi. Ça sera pratique pour descendre dans les... Dans les bas profonds de Minecraft. Soit des messages en même temps. Des messages peu importants. Alors, non, ça c'est de la pierre, je m'en fous un peu. Là. On a du fer. On va en récupérer un maximum de fer, comme ça on sera pas emmerdé. Voilà. Et on va commencer à se faire une sorte de petite base. On va se la faire. On va se faire une petite base ici et on fera un. Enfin, pas forcément une petite base, mais ce sera une petite base de repli pour l'instant. Hop, voilà. Mis à part ça, je ne sais pas si on peut créer les clés. Non, ça, c'est pas cela, les clés. C'est. Ouais. Non, elles sont plus loin, les clés.
Ils sont là, les clés. Je crois qu'on peut, on peut pas les crafter, mais on peut les enchanter pour faire en sorte ouais, qu'ils tiennent plus longtemps. Voilà. Hop, voilà. J'entends de la lave. Déjà, on va serrer une pioche. On gardera une deuxième pioche au cas où. Alors, bah tiens, attendez. C'est quoi ce qu'on va faire? On va faire des coffres. Hop. Juste en faire deux. Voilà. Hop. Faudra qu'on se fasse un lit aussi. On va pouvoir se faire. Alors, attendez. On va se faire ça. On va se faire. On va se faire une épée aussi parce qu'on n'a pas d'épée actuellement. Voilà. Ça, on va le mettre là-dedans de toute façon. On va se faire aussi, bah, comme on a besoin de moutons, on va se faire une tondeuse. Pioche, bon, la hache, je peux utiliser une stone, c'est suffisant. Hop. Et là, on va commencer à faire aussi l'équipement. Au niveau de là où on est, ouais, on n'a pas grand chose. De toute façon, on va descendre. Ouais, on a déjà une grotte. Et une chauve-souris. Ok, mais on a déjà quelque chose en dessous. Il nous faudrait être mieux équipé pour ça. On va commencer. Hop. Si on peut faire ça et la tête, ce serait cool. Oh, putain, c'est chiant d'être enrhumé comme pas possible. Ou au moins un plastron, peut-être. Ce serait mieux. On va faire un petit plastron, ce sera suffisant déjà pour l'instant. Ah, mais j'ai dit qu'il nous fallait une tondeuse. Oh, c'est quoi? Je vais récupérer un peu de pierre. Merde. Oh, mais pourquoi je tombe à chaque fois? Voilà. Des moutons. Des moutons. S'il vous plaît, il me faut des moutons. Je crois que j'en avais vu des moutons. Il n'y en a pas là-bas? Tiens, il y en a là-bas. On va pouvoir se faire un lit comme ça, on aura notre point de sauvegarde. Et on va pouvoir dormir aussi facilement. Comme ça, on n'aura plus besoin de passer le jour et la nuit, du coup. Pas de. Si y a la commande. Donc, je vous dis, ce sera seulement en cas d'utilité absolue. Je vais récupérer un peu plus de laine au cas où, on sait jamais. Si laine, c'est nickel. On va récupérer un peu de bois aussi. Ah non. J'ai cru que c'était. On va pas pouvoir tout récupérer le bois parce que si on faut monter, j'ai la flemme de monter. Voilà. Ah, intéressant ça. Est-ce qu'il y a les fantômes qui apparaissent ou pas?
Ça n'a pas l'air. Bon. Donc là, notre objectif, pas dans cet épisode, mais dans cette saison, ça va être forcément de trouver le TARDIS, hein. Forcément, de le réparer, de faire tout ce qu'il faut comme pièce pour qu'il fonctionne. Ça a l'air d'être en dessous qu'on entend tout ce bordel. Voilà, on a notre plastron, on a même notre lit. Ah, attendez, je crois que j'ai plus. J'ai déjà de la planche là. Voilà. Voilà, notre point de spawn est mis. Oui, non, je sais que je peux pas dormir. Parce que... Hop là. Voilà, tac, tac, tac. Ah, on peut peut-être. Oui, on va faire ça aussi. Comme pour l'instant, pas trop se défendre. Je me suis trompé sur le craft. Voilà. Pour l'instant, on peut pas trop se défendre, donc on va se faire ça comme ça. Et comme on a encore un peu de planche, on va se faire des torches. Là, on va récupérer un peu de. Voilà. Tac. Et voilà, 20 torches. Vous savez quoi? On va en poser une là et une là. Ah, forcément, il faut que je bloque l'accès. Sais pas si y a... Je sais pas s'il y a quelqu'un en dessous. C'est le problème. N'aurait pas qu'il y ait un peu de monde quand même. Ouais, il y a un peu de monde, je pense. Ah. C'est ça que j'ai oublié d'ajouter. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est la game rule Mob Griffin. Eh ben non, je vais en false moi. Voilà. Ouais, on a fait un peu de la merde. Oh, puis ça descend bien plus bas aussi. Parce que je vois. Oh, et putain, en niveau de charbon, on a tout ce qu'il faut. Ça. Pourquoi je l'ai jamais vu se faire? Fais vraiment pas attention moi, lorsque je mine. Alors attendez, hop. Il y a beaucoup de fer, on va se faire plaisir. Oh la vache, eh, ça c'est chiant d'être enrhumé. Il fait froid ici aussi, hein, on va pas se mentir.
Hop, ça on va récupérer, je sais plus ce que c'est déjà ça. Ça c'est pour... Si... C'est le TARDIS mode, et ben on va récupérer. Autre chose aussi, j'ai oublié juste d'en parler, je serai à la Paris Manga le 7 novembre, déjà le jour de mon anniversaire. Ah ouais, alors attendez, je vais juste faire tac. Tac. Je serai à la Paris Manga ouais, le 7 novembre, donc forcément le jour de mon anniv. Et forcément, je pense que ça va être une très très bonne journée. En tout cas, je l'espère. Truc que je suis étonné, c'est que ce fer, je ne l'avais pas vu. On va dormir. On va dormir comme ça nous fera notre premier dodo. Voilà. Hop. Voilà, on va se faire. Hop. On va aller faire chauffer tout ça pour finir notre plastron, du coup. 36 fers, on aura. Enfin, pour finir notre équipement. Oh bah, hé hey! Il y a encore du fer là. Ouais, je fais pas attention. Alors, on a un school chest, mais je crois pas qu'il y ait de. Le cadenas. Ah, si, il y a un cadenas vert là. On le voit, le cadenas. Bon, vous savez quoi? De toute façon, on va laisser ça là. On va laisser tout ça là, char, on va mettre là, ça, on va laisser ça, Faut qu'on aille chercher de la bouffe. Donc on va aller tuer les animaux. Ouais. Hop. Là il y a une araignée. Oh bah attendez, une araignée qui dit une araignée dit forcément la ficelle. M'intéresse pas. M'intéresse bien quoi. Hop. On va faire un peu de récolte de bouffe. Puis loin, ça m'étonnerait qu'il y ait des choses intéressantes. Non, ici, il n'y a rien d'intéressant. La viande de zombard m'intéresse peu. Du coup, ça sert à rien. Pas besoin de. Voilà. Ouais, je sais, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Hop là. Hop, on a dû faire là. C'est quoi? Ah, on peut tout faire. Et voilà, on a notre équipement. Bon, ça, ce sera toujours pratique. La stone axe, ouais, pour l'instant. Oh, si. On va la garder au cas où. Là, il nous faudrait plus de la bouffe. On va, hop. On va faire un petit four. Voilà. On récupère un peu ça, puisqu'on a la flemme d'éliminer. On va faire ça. J'ai récupéré une ficelle seulement. Putain, je vais pas aller loin avec ça. Et puis voilà, je sais pas combien de temps de vidéo on est. On est à 24 minutes, ok, ça va. Bah si, attendez, je peux récupérer un peu de charbon là. Hop, on va les départager, comme ça, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Merci.
Hop, là il y a un peu de fer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le fer? Il faudra peut-être que je commence aussi pour le Tardis, voir ce qu'il nous faut. Alors déjà il faut que je retrouve la section Tardis. Là. Alors je crois qu'il nous faut. Il nous faut tout ça, mais alors pour tout ça, je crois qu'il nous faut un truc avant. Il nous faut. Il est où? Un appareil pour pouvoir. Mais si je le retrouve, bien sûr. Ah ouais. Faut le quantiscope. Ah, et pour ça, il nous faut le quantiscope. Ah, voilà, il nous faut un électronique circuit. Il nous faut un alambic. C'est vrai, c'est l'alambic avant. Pas de ça, il nous faut du verre. Du sable. Du sable, on en a là. Et qu'on va récupérer tout ça. Après, on va partir un peu en aventure. Je vais mettre aussi un point parce que si je perds le point, ce sera un peu bête. Après, j'aurai juste à mourir, c'est pas grave. Mais ça ferait un peu bête quand même. Va récupérer un maximum de sable, comme ça on sera pas emmerdé. Pas le tenter parce que je voulais descendre à l'arrache, mais si je le fais, une chance de mourir. Donc il nous fallait un alambic. Alors pour l'alambic, il nous fallait du verre, donc du coup il va falloir faire chauffer. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est intéressant à regarder. Alors attendez, ça fait 2 secondes que je l'ai fait et j'ai déjà oublié. Donc il nous faut 3 comme ça. Ah bah après, eh ben c'est bien ça. Tac. Pour faire l'alambic très rapidement. On va récupérer le sable après. Voilà, tac, ça. C'est bon. Voilà, il va nous falloir. Donc on va reprendre un bois, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, il nous faut donc les glass bottles. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Nous avons notre alambic. Ah, d'accord, il est petit. Bah, attendez, je vais pas le mettre là, alors. C'est aussi petit comme ça, on va le mettre. On va faire un truc stylé. Hop. Désolé, on va utiliser du bois. On va faire un truc stylé. Voilà. Hop. Voilà. Alors, oh là là, le bordel. Comment ça fonctionne, cet alambic? Donc, il nous fallait. Alors, pour ça, il nous faut de l'eau. Ça fait des circuits passe. Et ça marche avec tout? J'ai vu que ça marchait avec des feuillages. Vous savez quoi? Les feuillages, je peux les avoir facilement. Attendez. Ah, il nous faut un seau d'eau aussi, je crois. Ouais, attendez. Vous savez quoi? Je vais prendre un seau d'eau. Je vais faire un seau d'eau. Il faut du charbon, ça on a tout ce qu'il faut. Hop là. De l'eau, on en a là. Et de l'eau, on a ce qu'il faut là. Voilà. Et pour le feuillage, moins chiant. Moins chiant, j'ai bien dit. Hop, on s'en fout, c'est pas grave. On a 31 déjà. Non. Si? Ah oui, si. Attendez, on va aller récupérer les feuillages là-bas. Y a pas de trucs d'abeilles? Ça va pas emmerder si jamais on tape par hasard. Voilà, et puis on va récupérer le bois en même temps. Voilà, let's go.
Nickel. Voilà. Alors, donc, non. Il nous faut le pseudo. D'accord, donc on l'a rempli. Là, il nous faudra le feuillage et il nous faut du charbon. Voilà. Et c'est combien? C'est 16 parts au truc, c'est ça? Ah oui, quand même, c'est... Ah oui, puis c'est cher, surtout en eau. Ah oui, d'accord. Je commence à comprendre. Ok, bah, vous savez quoi? Il va nous falloir une source d'eau infinie. Va nous falloir une petite source d'eau d'infini parce que sinon on va galérer à faire ça. En plus, il faut autant de feuillage que ça. Oh la vache. C'est une galère. Voilà. Hop. On va mettre dans l'inventaire, mais par contre, il me faut énormément de feuillage. Ça va être une petite galère. Attendez, faut que je récupère. C'est quoi que j'entends là? Ah, ça va être la nuit bientôt. On va aller se coucher dans un peu de temps. Hop. Ah bah, bien. Ça vient de nous lâcher. Ah puis, il commençait déjà à y avoir des monstres. On va peut-être te rentrer rapidement. J'entendais tellement de mobs et je ne les vois pas ces mobs-là. On va dormir, ça sera notre deuxième. Aïe! Deuxième jour. Sais pas combien, on est à 32 minutes, oh, ça va. Alors, c'est le jour. Voilà, tranquille, on nous emmerde plus. Ok, alors, on va faire une petite source d'eau infinie qu'on connaît bien. Voilà. Hop. Voilà. Non. C'était pas ce que je voulais faire. Hop. Ah, c'est bon. Je sais pas combien il nous en faut. Faire celui-là, il nous faut. Pour faire un électronique, il nous en faut autant. Ça, allez-y, on va faire récupérer les gold, je sais comment. Ça va être une vraie petite galère. 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'en ai bon. Ok. Donc du coup maintenant qu'on a tout ça, attendez, on va récupérer ça. On va vraiment tout récupérer pour l'instant. Tac, tac, tac. Ça c'est juste pour un hein, le pire. Hein, ça. Il faut quand même du ion de cristal, donc on va devoir quand même partir en aventure. Torche. Ouais, et ben, comme je dis, on va devoir quand même partir en aventure, donc on va
prendre tout ça, on a la bouffe, on a ce qu'il faut. Pas énormément de bouffe, mais on se démerdera sur le chemin. Ah, peut-être faire un bateau. Pour être bien pratique. Hop, non, merci. Hop, voilà. On va récupérer un peu de bois. Ça m'étonnerait que j'en ai besoin. Ça. Peut-être un peu de pierre pour le dépannage. Et puis voilà. Et par contre, on va aussi mettre un point parce que, alors, que comme j'ai journée map, mais que je sais jamais. Ah, create a point, remettre N. Hop, voilà, create a point. Donc on va marquer base. Voilà. Vous voyez toutes les... Alors là, vous voyez toutes les planètes. Hein. Bon, malheureusement, vous avez un spawn. Donc Dark Cavern, Overworld, c'est là. Atom, bon, Land, Nether, vous connaissez. Soulbound, Deeper Dark, Moon, Space, Vortex, Death, The End of Time, The End of Time Doom, The Abyss Dim et The Abyss Miss World. Voilà. Et on va le mettre en couleur vert. Voilà. On sort. Allez, let's go. Donc on va prendre, ouais, on a notre base, au moins on sait où aller. Puis de toute façon, même si on meurt, on va apparaître à notre point. Comme ça, c'est pas un problème. Je vous propose qu'on parte dans cette direction-là. Comme ça, hop. C'est parti! Ils aiment pas l'eau, les abeilles, normalement. On va essayer de longer la côte pour l'instant, voir s'il y en a des trucs intéressants. Oh là, non. On va pas la longer la côte, on va continuer par là. Je connais cette forêt, on ne va pas y aller tout de suite. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite île, grand-chose, des tortues, ouais. On sait qu'on aura des tortues là, donc c'est nickel. Et nous avons un village, les gens. Et ça, c'est pas cool, ça. Et dans ce village, nous allons peut-être trouver le bonheur. Alors déjà de la paille. Et je... Alors déjà, ouais, on va avoir beaucoup de choses. Déjà, voilà, on va récupérer toute la paille. Ça va être pour la nourriture. Et j'ai des lags à mort. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Hop là, donc on a de la paille. Dans les maisons, des lits, mais peu important. Peu important. Ça va être important. Mais juste avant, on va aller récupérer la Waystone. Je te dis, on va la récupérer parce que forcément, elle n'est pas activée. On va la garder. Hop, là, qu'est-ce que nous avons ici de là? Ouais. Pas un coffre. Du pain. Je récupère. Oh, je peux récupérer les pommes aussi. Même si ça m'étonnerait que je les utilise. Là-dedans, il y a encore quelque chose aussi normalement. Ouf. Oh, les pommes de terre, ça m'intéresse pas. Même si je sais que ça nourrit bien, mais ça ne m'intéresse pas quand même. Ça, on va y aller après à la fin. On va aller voir juste là s'il y a quelque chose. Pour une petite maison comme ça, il n'y a rien. Pas grand-chose. Ça, on va récupérer. Il y a encore de la paille là-bas. Oh, ça ira pour la paille. C'est pour le pain seulement. Hop. Là-dedans, on va y aller parce que là-dedans, on va trouver peut-être notre bonheur. Ah bah, hey. C'est pas cool ça. Il y a un peu de bois, je prends. Et il y a des pelles, je prends pour le sable. Il y a un four et je sais que derrière, il y a encore un électronique circuit. Encore du fer. C'est cool ça. Des torches.
Et puis voilà. Et au-dessus, je crois qu'il y a. Ah, il y a. Non, il fait pas intéressant. Et il y a ça. J'ai jamais compris pourquoi, mais il y a ça. Vous savez quoi? On va peut-être dormir dans un des villages. On va dormir dans ce village. Oh, si tu peux dégager. On va dormir dans ce village, c'est pour faire passer le truc. Après, je m'en fous, je casse le lit. Hop, voilà. C'est vraiment juste pour dormir, en fait. Puis voilà. Donc, là, du coup, on a récupéré un maximum de choses. Donc là, on a récupéré deux électroniques circuits, ce qui va nous dépanner grandement. Est-ce que ça... Ouais. Regardez si ça a enregistré, je n'étais pas trop sûr. Alors, ce bois, les trucs de bois comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Il doit forcément y avoir un truc intéressant pour que ce soit comme ça. Mais je sais toujours pas pourquoi. Peut-être parce que les arbres ont des yeux. Tout cas, certains. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà, là-bas, c'est un biome neige. Ça va moins m'intéresser. Le regroupement de vaches, par contre, je vais peut-être le tuer. Oh, non. C'est quoi, on va les laisser en vie, on est gentil. Comme je vous dis, le biome neige peut m'intéresser, donc on va continuer le tour. Mais je pense qu'on va peut-être quand même s'arrêter dans peu de temps, parce que, les abars, ça, on est quand même à peut-être quelques temps de vidéo, quand même. Sachant qu'avec moi il y a peu de montage. Alors. On va quand même continuer un petit peu et après on va arrêter de toute façon. Vous en faites pas. Pour ce premier épisode, en tout cas, ça sera plutôt cool déjà. Désert. Désert enneigé. Ou désert, désert. Non, c'est désert enneigé, hein. Beaucoup, beaucoup de neige. Beaucoup trop de neige, les gens. Et de maintenant de la glace. Ça, c'est un truc de fou, on fait que nager dans... Attendez, c'est quand on va nager dans une autre direction? Parce que là... Ah, attendez, c'est un village que je vois là-bas? Oh oui, c'est un village que je vois là-bas. Oh oui. Avec une waystone. Est-ce qu'il y a ce que je... Oui, il y a... Ah, je crois qu'il y a ce que je recherche aussi. Pas sûr, hein, mais on va se renseigner. J'ai bien fait de revenir sur mes pas. On va peut-être récupérer la waystone. Je vous dis, les waystones, on va les récupérer parce qu'en fait, elles sont pratiques pour. Déjà, si j'arrive à, voilà, à courir, mais elles sont pratiques pour les points de spawn. Du coup, si on trouve vraiment un truc intéressant, même si vraiment on en a tardé, c'est qu'on peut se téléporter ailleurs. Ça peut être pratique. Donc, déjà, je me suis occupé de la waystone. On va regarder dans les maisons. Ça m'étonnerait qu'on trouve grand-chose. Si, du pain. Papier, ouais, les cartes vides, je sais pas. Elles ne serviront pas à grand chose, mais je les prends quand même, on sait jamais. Là, pas grand chose. Pas grand chose non plus. Hop, la Weston est déjà pris. Là, il y en a une autre. Le comme ça, il peut pas bouger. Ce qui est plutôt cool. Oh, du pain. Ah, attendez, c'est quoi ça? C'est des snowballs. Ah, c'est de la neige. D'accord. J'ai cru que c'était juste un truc spécial. Oh, ça peut m'intéresser. Voilà. Est-ce que mon pantalon tient? Oh, bah, il tient largement. Ça, par contre, je récupère.
J'en ai besoin qu'un, donc je vous laisse l'autre. Oh, bordel. Ah non, bah je pensais que j'allais trouver mon truc, mais non. Il n'y a pas l'air d'avoir mon truc. C'est ça, c'est une maison basique. C'est pas ce que je m'attendais en fait. Bon, non, c'est quand même pratique de récupérer certains trucs, comme le pain. Ça, j'en fous. Non. Je sais pas s'il y a la maison que je pense, mais il n'y a pas l'air. Hein. Non, il n'y a pas la maison que je recherche. Donc, c'est bien, sans problème. Vous savez quoi? On va s'arrêter là, les gens. On va se mettre. J'allais dire qu'on allait se mettre sur cette maison, mais comme un con, je me suis raté. Voilà, on va manger. Voilà, on va s'arrêter là, les gens. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye à tous.